Peace. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool Mike et en personne, même si vous ne me voyez pas vraiment bien, mais bon, c'est pas ça le but. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un glitch vraiment épique, donc vous l'attendez tous depuis très longtemps. Donc là je vais faire un tutoriel vidéo, comme ça je vais tout vous expliquer, vous savez, vous saurez le faire parfaitement. Alors avant de vous présenter ce tuto, je vais mettre cette vidéo en non répertorié. Donc s'il vous plaît, je vous demande sérieusement, ne partagez pas cette astuce et ne refaites surtout pas la vidéo sur votre chaîne YouTube si moi je ne l'ai pas mis en public. Parce que si on le met en public maintenant, le glitch va être patché. Et s'il est patché, vous n'allez pas pouvoir en profiter. Donc c'est déjà compliqué le glitch, il va falloir plusieurs essais avant que vous y arriviez. Il faudra un bon défi Liquid Dignium pour y arriver. Donc franchement, s'il vous plaît, respectez ça. Je le mets en non répertorié. Dès que je le mets en public, c'est que tout le monde peut le faire. Mais là, on a attendu le feu vert, s'il vous plaît. Ne le partagez pas à des youtubeurs, partagez-le à une communauté très restreinte, des potos qui vous êtes sûr qu'ils ne vont pas le dire à gauche et à droite. Mais essayez que ce glitch ne fasse pas le tour du monde, quoi. S'il vous plaît, pas maintenant. Après, vous ferez ce que vous voulez. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier ma femme, ma merveilleuse, ma sublime femme que j'aime énormément, qui est en train de me filmer. Donc, merci à toi, mon cœur, je t'aime. Et voilà. Donc, vous pouvez lui dire merci aussi parce que c'est grâce à elle que cette vidéo se fait. Donc, voilà, je pense que c'est bon. J'ai mis les avertissements, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que vous allez respecter. Merci à tous. Je compte sur vous. Donc, là, je me retourne. De toute façon, je pense que vous ne m'avez pas vraiment vu. Donc, je me retourne. Donc, là. Vous pouvez voir ici à ma play, j'ai mis un câble de luminosité pour essayer que vous voyez un peu plus le câble Ethernet. Donc en fait le câble Ethernet il est juste là, mais de toute façon vous allez tout voir. Vous allez voir quand je le retire, exactement à quel moment, etc. Donc là, ce qu'il vous faut déjà, c'est aller regarder en haut à gauche pour voir si vous avez votre défi Liquid Divinium. Donc là moi j'ai un défi du jour Liquid Divinium, donc c'est tuer 75 zombies avec un pistolet. Faut savoir que tous les défis ne fonctionnent pas. J'ai eu un défi que c'était fermer 5 fenêtres en 45 secondes. Le défi ne fonctionnait pas parce que le liquide arrivait trop tard. Je sais pas pourquoi, mais il mettait du temps à venir, donc c'était quasi impossible de le faire. Donc là vous allez voir, c'est super facile avec des kills, c'est super facile, vous allez voir, c'est tout simple. Donc quand vous avez ce défi là, il va falloir faire 74 kills avec un pistolet. Donc moi je vais le faire là maintenant, je vais faire 74 kills et je vais pas faire le dernier. Donc après je quitte la partie ou carrément je rejoins un ami, ça calculera, ça sera comptabilisé, ne tracassez pas. Donc première chose que je fais, c'est il me faut quoi? Il faut que je tue 75 zombies avec un pistolet. Donc on va utiliser des bubble gum. Donc je vais me faire des bubble gum. Je vais choisir des bubble gum qui vont m'être utiles. Donc un pistolet, donc accro des atouts, ça va être utile. Tête de mort, ça va être utile. Qu'est-ce que je pourrais prendre encore? Franchement, on va prendre la braderie. Ouais, on prend bonification. On prend shopping gratuit. Et on va prendre amélioration. Amélioration, donc amélioration éphémère, voilà, amélioration éphémère au cas où vous auriez le RK5 qui est compris comme un pistolet. Donc moi j'ai pas le RK5 parce que j'ai déjà fait un nouveau départ. Donc si jamais vous avez mais ça on y reviendra par après. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une partie sur n'importe quelle map, hein, vous choisissez et vous allez devoir faire 74 kills. Si c'est au fusil à pompe, bah, vous faites si c'est 200 kills au fusil à pompe, vous faites 199 kills au fusil à pompe et après vous quittez la partie. Il faut vraiment bien compter, soyez précis et ne vous trompez pas. Parce que moi une fois j'ai été à 75, croyant que c'était 100 et le défi s'est affiché et j'ai niqué mon défi ce jour-là. Donc voilà, faites super attention. Donc là c'est parti, je vais couper la vidéo et je vous reprends après quand j'ai fait les 74 kills. Donc à tout de suite. Donc voilà, là j'ai fait 69 kills, regardez 69 kills. Donc je vais m'arrêter maintenant parce que ça va être la manche des lucioles. Et j'ai pas envie de... Je sais pas si ça marche avec les lucioles, donc je m'arrête maintenant. Donc j'ai usé un accro des atouts. Donc pour pas perdre mon accro des atouts, je vais rejoindre une personne. Donc je vais rejoindre une personne qui est dans un salon tout simplement. Donc voilà, là je regarde mon défi. J'ai bien 69 sur 75. Donc j'avais bien fait, j'ai bien calculé. En même temps j'avais fait aucun kill avec une grenade ni rien. Donc voilà, il me reste 6 kills à faire. Donc 5 kills, excusez-moi. 6 pour terminer le défi et 5 pour m'arrêter juste un avant. Donc là je vais relancer, mais je vais juste changer un bubble gum
Je vais mettre le bubblegum à la place de bonification. Je vais mettre tir en pleine tête. Balle en pleine tête. Comme ça, je suis sûr que si je tire... Parce qu'en fait, à la manche 1 avec le petit gun, il faut deux balles dans le corps et une balle dans la tête. Donc si j'ai la chance de tomber sur ce bubblegum, eh ben, ce sera encore plus facile, ça tirera directement dans la tête à la manche 1. Donc là, je vais relancer. Je relance et je vais faire 5 kills. Et après, ben, je quitte la partie. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà, là, je suis à 3 kills. Déjà, je suis à 3 kills là. Donc ce que je vais faire... C'est les deux derniers kills. Mais par sécurité, je vais déjà maintenir le câble d'Ethernet. Donc le câble Ethernet. Ouais, parce que j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, l'astuce là que je vous montre, c'est vraiment par câble Internet. Hein. Donc là, je tiens déjà le câble Internet et je vais faire les deux kills restants. Voilà, c'est bon. Si maintenant j'aurais vu le défi s'afficher, j'aurais directement coupé le câble Internet pour être sûr de ne pas perdre mon défi. Donc là, ok, 5 éliminations, c'est bon. Donc là, j'ai quand même acheté un accro des atouts, donc je vais quand même rejoindre une personne qui est dans un salon. Donc voilà, là, je vérifie mon défi et je regarde si il est bien. Voilà, il est à 99%. Même s'il est marqué 100%, on s'en fout. Hein, parce que certains défis marqués 100%, si vous devez faire 200 kills, il sera marqué 100%. Mais tant qu'il est marqué, par exemple, 199 sur 200, c'est bon. Là, il est marqué 74 sur 75. Donc là, c'est bon. Là, c'était la partie la plus facile, les potos. Là, on va passer à la partie la plus difficile. Donc, il y a deux choses à savoir. On va dupliquer les liquides d'ivinium et après, on va les farmer. Donc là, la technique de duplication, c'est vraiment très difficile. Il faut vraiment être rapide, concentré. Après, quand vous aurez bien compris le truc, vous pourrez faire un peu plus relax et tout ça. Mais là, il va bien falloir écouter ce que je vais vous dire. Parce que si vous file, c'est mort. Il va falloir attendre un autre contrat. Un autre défi avec des liquides. Et là en plus j'ai la chance d'être en double liquide. Donc ce qui veut dire c'est que j'ai deux fois moins de travail en question de duplication. Parce qu'en fait je vais prendre deux liquides par deux liquides. Donc en fait je vais faire 2, 4, 6, 8, 10. Et puis après je pourrais farmer 10. Vous comprenez? Je dois dupliquer liquide par liquide. Parce que normalement c'est un liquide. Donc imaginons c'est un liquide. Donc je dois dupliquer un... Je dois faire le défi pour un liquide. Donc j'ai gagné un liquide. Après, je dois refaire le défi, ça fera 2 liquides, puis 3 liquides, puis 4 liquides, et puis après, je farme les 4 liquides. Donc, je m'arrête à 50 ou à 100, enfin, je fais la duplication autant que 3 que je veux. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous ne pouvez plus changer vos bubble gum. Donc, il va falloir bien choisir vos bubble gum. Vous pouvez voir que j'ai 3916 liquides d'ivinium. Donc, à partir de maintenant, ça va augmenter, vous allez voir de ouf. Donc, ce que je fais, c'est que je vais en solo, je lance la partie shadow, j'attends que ça se lance. Je vais faire un kill, un seul et unique kill, et je vais débrancher dès que j'ai fait le kill. Faut pas attendre de voir le liquide divinium s'afficher. Si vous attendez que le liquide divinium s'affiche, vous êtes baisé. De toute façon, le liquide divinium s'affichera quand même, même si... en fait, c'est simple. Vous appuyez, vous tirez, et puis vous débranchez. Vous tirez, vous débranchez. Vous débranchez pas en même temps que vous tirez. Vous débranchez le câble internet une demi-seconde, même pas... Après que vous ayez tiré, donc vous appuyez sur tirer et vous débranchez, ok? Vous ne faites pas les deux en même temps. Donc là, vous allez voir, ça va être super facile parce qu'il n'y a aucune préparation. Donc imaginez, parfois c'est avec une arme améliorée, donc il faut prendre des bubble gum, il faut ouvrir la porte, il faut tic-tac. Donc là, c'est vraiment facile le défi que j'ai eu. Donc j'ai juste à attendre un zombie. Donc je vais quand même aller faire un bubble gum pour voir si j'ai un double coup ou quoi. Vous pouvez prendre le RK5, le RK5 fonctionne aussi. J'ai essayé juste avant, bah, j'ai un accro des atouts, c'est bien, ça me donne une sécurité en plus au cas où, parce que si vous mourrez, c'est la merde, hein. Si vous mourrez, quoi qu'il arrive, là c'est le lancement, ok? Donc vous faites bien comme moi, donc si vous mourrez, c'est pas grave, mais quand on va être dans le glitch après, quoi qu'il arrive, si vous arrivez une couille, qu'il se passe quelque chose que vous n'avez pas prévu, qu'il arrive n'importe quoi, vous débranchez directement le câble, ou sinon vous allez perdre le défi. Bon, là, c'est le commencement, c'est la première fois, donc voilà, on va attendre un zombie. Il y a un zombie là-bas, donc je me mets devant lui comme ça, je prends mon câble et vous allez voir que je tire. Voilà, je tire et j'ai tiré mon câble internet et là je ferme l'application dès que l'écran il est noir, je ferme l'application, je me dépêche, je perds pas de temps, si vous perdez du temps c'est la merde. Là je remets le câble internet, donc c'est un peu compliqué, c'est rapide, c'est difficile,
Mais dès que vous aurez compris le truc, ce sera easy. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous rebranchez le câble avant de relancer le jeu. Vous relancez le jeu. Là, c'est la duplication. Donc là, normalement, j'ai gagné 2 liquides. J'étais à 16. Donc normalement, je dois être à 18. Ok. Donc là, on va attendre que le jeu se relance. Parce qu'il est très lent. Black Ops 3, il est très lent. Donc voilà, quand vous avez le personnage comme ça de Black Ops 3 et qu'il est marqué appuyer sur X pour commencer, vous maintenez votre main sur votre câble, vous appuyez sur X, là ça va me connecter, je vais spammer X, dès que je suis connecté, je spam, je vais dans zombie et je débranche dès que je suis dans zombie. Donc on peut voir que je suis à 3918, j'ai débranché le câble, ok, donc dès que vous voyez vos liquides, vous débranchez, ok. Dès que vous rentrez dans le zombie, vous débranchez. Vous attendez d'être dirigé vers le local. Donc on attend d'être dirigé vers le local. Ensuite, je vais remettre le câble. Pas maintenant, hein. Là je remets juste le LED. Même si je pense que ça ne change pas grand chose. C'est pas grave. Donc là on attend que ça charge. Ça va me mettre en mode local. De toute façon, je vais recommencer la manipulation 3 fois. Comme ça, je vous montrerai 3 fois. Donc quand il est marqué erreur, vous rebranchez le câble. Vous mettez OK, OK, vous rentrez. Là, vous pouvez voir que je suis en réseau LAN, en réseau local. Donc, ils disent, je suis en réseau local. Donc, vous descendez tout en bas, vous cliquez sur jouer en ligne. Donc là, ils mettent connexion serveur impossible, on s'en fout. Donc, on appuie sur OK, on continue, jusqu'à temps qu'il va mettre jouer en ligne, oui ou non. Donc, vous allez voir, j'attends. Parfois, faut attendre, parfois ça va vite, parfois faut attendre, ça dépend en fait. Ça dépend. Là, faut attendre. Apparemment, il faut attendre. Voilà. Il est marqué jouer en ligne, jouer à Call of Duty Black Ops 3 en ligne, jouer en ligne, annulé. Là, vous faites jouer en ligne. Ça va charger. Vous commencez déjà à spammer X, et vous regardez en bas à gauche. Vous allez voir vos liquides. Voilà. J'ai vu mes liquides. J'ai eu le temps de voir mes liquides en spammant. Et j'ai vu que j'étais monté à 20. Donc, j'ai gagné 4 liquides. Donc, en dupliquant, vous gagnez des liquides. Après, on passera au farm. Le farm est super, super facile. Mais la duplication, c'est l'étape la plus difficile. Donc, je vais le refaire 3 fois pour vous montrer. Donc, j'ai de la chance parce que c'est en x2. Donc, j'ai 2 fois moins de travail à faire. Parce que si je veux monter à une duplication de 50, il faut que je le fasse 50 fois ce que je viens de faire là. Je dois faire 50 fois ce que je viens de faire si je gagne un liquide. Et bien là, j'ai plus qu'à le faire 25 fois comme je suis en double liquide. Donc, ça, c'est vraiment stylé. Donc, si vous êtes en double liquide, une fois, tu vas te faire des couilles en eau. Alors, on attend que la cinématique passe. N'essayez pas de changer de map. J'ai essayé de changer de map, d'aller genre sur The Giant. Ça m'a niqué directement mon défi et j'ai même pas pu farm après. Donc, après, je vais vous expliquer que même si vous ratez votre défi, que si vous le perdez, vous pouvez quand même farm. Ça m'est déjà arrivé. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais acheter le RK5. Voilà, je vais acheter le RK5 parce qu'il est beaucoup plus efficace que l'autre gun. Mais bon, après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est déjà... C'est deux balles pour tuer un zombie. Donc vous mettez une balle et puis après vous mettez votre câble sur le câble internet et vous mettez la deuxième balle pour le tuer. Ça vous pouvez le faire aussi. Donc je vais attendre qu'ils sortent. Hein. Voilà, là ils sont sortis. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais tuer et dès que j'ai tué, je tire. Voilà, je tire, bam, je tire. Hop, je ferme l'application super vite aussi. Il y avait déjà l'écran noir, donc il faut vraiment fermer assez vite, sinon ça ne fonctionnera pas. Alors après vous rebranchez votre câble internet, hop, donc là j'étais à 4200, enfin j'étais à 20, on était à 20 liquides, imaginez parce que là j'ai trop de liquide donc c'est chiant de retenir, donc j'étais à 20 liquides. Là normalement je vais pas en gagner 2 mais je vais en gagner 4, donc je vais passer à 24, donc déjà la duplication normalement, voilà c'est ça, donc attendez parce qu'il y a une vidéo qui se lance là, hop, voilà, donc là on attend que de toute façon à mon avis au fur et à mesure vous allez comprendre, donc là on attend que le jeu il se lance. Voilà, le jeu s'est lancé, donc là maintenant on appuie sur X, on maintient notre main sur le câble internet. Après vous pouvez déjà spammer X, mais parfois quand je spam X trop vite, je me retrouve dans la boutique. Donc c'est pas grave, si vous vous retrouvez dans la boutique, vous faites rond et puis vous retournez dans zombie. Vous avez le temps, mais soyez assez rapide. Ou si vous êtes sûr, voilà, regardez, je suis à 24, donc j'ai gagné 4 liquides cette fois-ci. Donc la première duplication a marché. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner en local, blablabla. Mais imaginons que quand j'appuie sur X trop souvent, et bien parfois j'arrive en boutique. Vous pouvez faire rond et puis retourner en zombie et puis débrancher le câble quand vous êtes en zombie. Mais si vous voulez être sûr de rien file, vous débranchez directement le câble, vous relancez l'application, vous fermez l'application, vous relancez l'application avec le câble internet. Et voilà,
S'il y a quelque chose qui se passe qui est inhabituel, vous débranchez le câble. Il faut toujours être à l'affût pour débrancher le câble. C'est super important parce que si maintenant ça faille, eh ben vous êtes baisé et vous ratez tout ça pour rien. Donc là, qu'est-ce que j'ai dit? Donc là, j'ai le message erreur, donc j'appuie sur OK, je rebranche mon câble. Et là, ça me connecte direct parce que j'ai rebranché mon câble trop tôt. Mais c'est pas grave, même si ça me reconnecte maintenant, je continue à appuyer sur XXXXX. Et regardez, je suis à 28. Merde, j'ai fait une connerie. Là, j'ai fait une connerie justement parce que je vous parlais et tout ça. Donc c'est pas grave, j'ai débranché le câble, j'ai fermé l'application. Normalement, ça devrait aller. Là, ce que je vais faire, c'est que, ouais, imaginons, vous avez file comme moi, c'est pas grave. Vous débranchez le câble, vous fermez l'application direct. Là, on va relancer le jeu. Donc, fait chier, casse les couilles. Donc, on va attendre que le jeu charge. Voilà, le jeu s'est chargé. J'espère que je me suis pas file. Donc, j'appuie sur X. On refait la première étape. Enfin, on refait ce que j'ai raté. Donc, là, on le refait. Connexion, vérification des fichiers. OK. Donc, là, on va aller en mode zombie direct. Et puis, on va débrancher le câble. Faut être à l'affût avec le câble internet. Hein. Regardez, là j'ai été en boutique parce que j'ai appuyé trop vite. Donc c'est pas grave. Donc là je suis à 28. Je sais pas si ça a marché. J'espère que oui. J'espère que je ne suis pas faille. Je ne suis pas ici à la merde. Je suis toujours à 28. Donc j'étais à 28. Là c'est normal que j'ai pas gagné de liquide. C'est normal. Sinon j'aurais dû passer à 32. Mais là normalement, je vais passer à 32. Là normalement, si j'ai pas file, je vais passer à 32. Si ça a file, je vais pas passer à 32. Donc hop, on se connecte. Voilà, là on est dans le réseau local. On joue en ligne. On attend que le message là ne s'affiche plus, que ce soit un autre message qui s'affiche. Donc voilà, le message jouer en ligne, c'est affiché. Donc là on spam X pour aller directement dans la map zombie. On spam. C'est bon, la duplication a marché, je suis passé à 32. Donc c'est rien, j'ai rien fallu. En fait, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai tiré mon câble internet dès que je suis rentré dans la partie. Mais j'aurais pas dû faire ça. Je dois pas tirer mon câble à ce moment-là. Je sais pas pourquoi, enfin voilà, c'est parce que je suis en train de faire le tuto. Mais bon, après, quand vous avez compris le truc, vous allez voir, ça vient tout seul, ça va tout seul. Donc là, j'ai gagné déjà blindé de liquide. Franchement, j'étais à 18, je suis déjà à 32. Vous imaginez, en peu de temps, en très peu de temps. Donc là, on attend que la cinématique se passe. On va appuyer sur X dès que c'est possible. Et on va refaire un kill. Donc, vous allez voir. Il faut vraiment être concentré et rapide. Et ça fonctionnera comme super facilement. Donc, je vais le reprendre. Attends, là, ça sera la deuxième fois. Donc après, je vais le refaire une troisième fois. La vidéo sera longue, mais elle sera bien expliquée. Et vous aurez l'exemple en face des yeux, quoi. Alors, maintenant, je vais prendre le RK5 parce que ça fonctionne bien avec le RK5. Je vais attendre qu'un zombie arrive. Allez, mon pote. Donc, le zombie va pas tarder, hein, vous fracassez pas. Voilà, c'est bon, là, il y a un zombie. Donc, qu'est-ce que je fais? Je maintiens mon câble Ethernet. Je tire, je le tue. Je laisse mon doigt appuyer sur PS. Je ferme l'application, je quitte l'application. Je remets le câble. Hop. Je remets le câble internet, je relance le jeu et là j'attends que le jeu charge. Donc voilà, là j'ai relancé, hop, j'attends que ça me connecte, je mets ma main sur le câble Ethernet, je vais en zombie, dès que je vois mes liquides, je coupe le câble. On attend, connexion au service en ligne, vérification des fichiers, ok. Voilà, là je putain rond, hop, zombie, hop, c'est bon, je suis à 38. Donc j'étais à 32. Donc j'ai gagné 6 liquides. Donc là ça a bien fonctionné. Donc là j'attends. Avant de rebrancher mon câble, j'attends qu'il me mette dans le mode local. Voilà, le message est apparu, je peux rebrancher mon câble, j'appuie sur X. Voilà, et j'attends que le message ici s'affiche, genre joue en ligne. Voilà, joue en ligne, ça s'est affiché. Bam, j'appuie sur X. Et je regarde en bas à gauche pour voir si mes liquides ils ont augmenté. Mes liquides ont augmenté, je suis passé à 44, donc j'ai encore gagné 6 liquides. 38, 44, ça fait 6. Donc là, je vais refaire une dernière fois. Après, je vais monter, je vais le faire genre 10 fois. Comme ça, je serai en x20, donc j'aurai 20 liquides divinium. Et après, je vous montrerai comment farmer les 20 liquides divinium. Donc c'est possible que le jeu bug, regardez, le jeu il a l'air bugué, mais il faut laisser comme ça, ça va reprendre tout seul. C'est des petits lags parce qu'on est en train de faire glitcher le serveur, glitcher votre jeu, glitcher tout. Donc voilà, il y a des petits lags, mais c'est pas grave, vous laissez tourner, vous fracassez pas, ça va aller. Donc voilà, là j'arrive dans la partie, je fais même rituel que d'habitude,
je prends le RK5, on va pas changer une équipe qui gagne, donc on change pas une habitude qui gagne. On prend le RK5, on attend un zombie. Voilà, là il y a un zombie, on va attendre qu'il se rapproche quand même un peu plus pour être sûr de bien le flinguer. Parce qu'il faut pas que vous vous faille là. Parce que après, si vous faille, attendez, je vais vous expliquer ça après. Donc là, je vais tuer le zombie. J'attends que la planche elle se casse là parce que ça va. Il va avoir moins de dégâts. C'est bon, là il y a un zombie, regardez, hop. Je me mets là, je tue le zombie, je débranche. Je tue le zombie, je débranche. Je ferme l'application, hop, voilà, je ferme l'application directement après. Je rebranche le câble, je relance l'application. Donc voilà, là en attendant le chargement, je vais vous expliquer ce que je voulais vous expliquer. Si maintenant le défi ne s'affiche plus, ça veut dire que vous êtes file. Vous relancez, vous refaites l'étape, vous refaites la même chose. Vous refaites tout ce qu'on fait. Vous relancez pour voir si la deuxième fois, si le défi s'affiche toujours pas. Si le défi s'affiche toujours pas, vous relancez, vous réessayez une troisième fois. Mais à la troisième fois, vous allez tenir votre câble, vous allez tuer le zombie, mais vous n'allez pas débrancher instantanément. Vous allez un peu attendre, voir s'il y a le défi du jour qui s'affiche. Si le défi du jour ne s'affiche pas après avoir fait un kill, vous en faites un deuxième, un troisième, un quatrième, s'il ne s'affiche toujours pas, ça veut dire que vous êtes file et que le défi est raté. Mais c'est pas grave, vous pourrez quand même farmer. Donc là, je suis connecté, hop, on se connecte. Le chargement est passé, on se connecte. On maintient le câble Ethernet. On attend qu'on se connecte. On n'appuie pas trop vite sur X, sinon vous serez dans le mode boutique. On va en zombie, on débranche. Là, je suis à 52, donc j'ai gagné 8 liquides, les potos. J'ai gagné 8 liquides. On est à 52. J'ai débranché le câble, j'attends que ça m'envoie dans le local. Donc je reviens sur ce que je disais avant. Si maintenant votre défi vous l'avez raté, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Si le défi ne s'affiche plus, même que vous avez fait 3 kills au petit gun ou au pompe ou peu importe, si le défi ne s'affiche plus, vous débranchez votre câble Ethernet, vous fermez l'application, vous relancez l'application et là vous allez commencer le farm. Et le farm, je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc là, je vais juste vous montrer combien de liquide j'ai gagné. Donc là, voilà, j'ai été déconnecté, je suis en mode local, ok. Donc là, jouer en ligne, voilà, parfait. J'appuie sur X. Et j'appuie sur X tout le temps. Et je regarde en bas à gauche, les liquides normalement auront augmenté. Voilà, je suis à 60. J'étais à 52, là je suis à 60. Vous voyez, je gagne 2. Je gagne 8 liquides là pour l'instant. Donc là, je vais le refaire genre pour en gagner 20, pour que je sois à 20 liquides divinium dupliqués. Comme ça, je vous montre comment farmer avec 20 liquides. Je vais juste le refaire une fois, je crois. Mais donc voilà, après, je vais vous montrer le farm. Ok, je vais vous montrer le farm dans quelques instants. Je fais ça et je vous montre le farm. Donc à tout de suite. Donc voilà, je pense que je me suis file. Juste quand j'ai coupé la vidéo, en fait, j'ai réessayé le défi. Et le défi du jour ne s'est pas affiché comme je vous expliquais. Donc là, je réessaye une deuxième fois pour voir si le défi du jour s'affiche. Donc là, je vais relancer l'application. Je vais me connecter. Donc ça me connecte. Mais je crois que j'ai perdu mon défi parce que j'ai pas enlevé le câble assez vite. Donc là, j'ai 60. Ok, donc ça doit être normal. Donc là, je pense que j'ai failli la duplication. Mais c'est rien. Si vous failez la duplication, vous pouvez quand même continuer à farm. C'est ça qui est bien. Donc là, on attend que le message s'affiche. Okay. Donc c'est pas très grave, hein, parce que je suis quand même en x8. Donc je vais vous montrer le truc en x8. Tant pis, ce sera pas en x10. Mais le truc, c'est que moi, en vous expliquant, eh ben, je suis pas concentré sur le truc en fait. Je suis concentré à moitié parce que je vous explique, je veux vous parler, je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc ça me fait file moi-même. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment farmer. Et puis après, je vais tout simplement réinitialiser, enfin, refaire un nouveau départ. Donc aller jusqu'au mettre prestige, refaire un nouveau départ et refaire la technique, mais en me concentrant parce que c'est double liquide et je veux au moins gagner 10 000 liquides. Et là, comme j'ai fade, je ne vais pas faire farmer pour 8 liquides par 8 liquides, or que je peux farmer par 50 ou 100 liquides par 100 liquides. Donc voilà, 100 liquides toutes les minutes, c'est un truc de fou. Donc là, on joue en ligne, toujours pas, on attend que le message s'affiche, qu'ils me mettent, comme d'habitude, jouer en ligne. Donc voilà, jouer en ligne. Donc là, j'appuie sur X, je spam. Tout le temps.
je dois pas débrancher le câble, donc qu'est-ce que je fais? Pourquoi je ne m'arrache pas ma main sur le câble, MDR? Donc là, je suis à 68. Donc là, on voit bien que je monte encore en liquide divinium, donc on peut farmer. Le seul problème, c'est que j'ai perdu mon défi, j'en suis sûr et certain. Parce que j'ai pas débranché assez vite. C'est vraiment une question de. Dès que vous. Faut pas attendre de voir le liquide divinium s'afficher. Faut tuer le zombie. Et dès que vous avez tué le zombie, faut arracher le câble et tout. En plus, moi, j'ai même pas la petite teute. Donc j'ai pas la petite teute, donc c'est encore plus facile. J'ai juste à tirer sur le câble et il s'enlève. Si vous avez une teute, soit je vous conseille de prendre un vieux câble et de casser la teute. Comme ça, il n'y a pas besoin de clipser et déclipser à chaque fois. Ou soit vous déclipsez et vous clipsez à chaque fois. Mais bon, ça va être un peu plus délicat pour vous. Mais bon. Voilà, c'est pas grave. Donc là, on va lancer. Donc là, ben, j'attends que la vidéo passe. Hein. Voilà, je pense que c'est bon. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux kills. Enfin, je vais faire un kill, puis deux kills, puis trois kills pour être sûr que j'ai fail le contrat du jeu. Et vous voyez, même si vous fail, donc en fait, le but, moi, ce que je fais, c'est que je duplique. Et dès que je fail la duplication, je farm. De toute façon, même en dupliquant, vous gagnez quand même des liquides divinium. Donc c'est comme si vous dupliquez, en dupliquant, c'est comme si vous farmez en même temps. Donc au final, c'est bénef dans tous les sens. Donc là, regardez, je vais tuer un zombie, je suis sûr que le truc va pas s'afficher. Voilà, le truc s'affiche pas. J'en tue un deuxième, le truc s'affiche pas. C'est pas grave, c'est bien. C'est comme ça dans la vidéo, vous voyez ce qui se passe. Regardez, je vais en tuer 3-4, ça va pas passer. Ça fait rien, j'ai perdu mon défi. Quand vous avez perdu votre défi, vous débranchez votre câble, vous fermez l'application. C'est parce que vous n'avez pas été assez rapide. C'est pour ça que je vous dis, il faut de la concentration et de la rapidité, les mecs. Donc là, ce que je fais, c'est que je rebranche le câble et là, on va passer au farm. Le farm, c'est trop facile. Vous ne pouvez pas vous file dans le farm. J'ai réussi à me file, mais il m'a fallu que je sois vraiment crevé. Il était 5-6 heures du matin et c'est parce que j'étais vraiment trop lent. Parce que sinon, je suis en conversation, je regarde un film, je fais plein de choses en farmant. C'est super easy. Mais bon, moi, j'ai jamais eu la chance de tomber sur un double liquide pendant le défi. Donc là, j'ai cette chance, donc je vais refaire un nouveau départ obligé, je vais profiter à fond. Donc voilà, c'est très simple, regardez comment on farm, c'est simple. Quand vous êtes sûr d'avoir file votre contrat, ou si vous voulez arrêter de... Parce que le contrat, si vous ne l'avez pas file, il reste. Hein. Vous pouvez farmer même si vous avez toujours votre contrat. Et si vous pouvez augmenter la duplication, genre après avoir farmé, hein. Vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, moi j'ai perdu mon contrat, donc là je vais farm. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste se connecter, donc attendre que le chargement du jeu soit fait. Vous vous connectez au service en ligne, vous prenez votre câble Ethernet en main de votre deuxième main. Et là, vous allez aller dans mode zombie. Donc j'étais à 68, vous allez voir, enfin vous n'allez pas le voir. Donc zombie, hop, je ferme l'application. Je débranche le câble et je ferme l'application. Voilà, je débranche Internet et je ferme l'application. Donc là, je suis à 68. J'ai pas pris les liquides, les 8 liquides. Parce que j'ai débranché sans avoir le défi, blablabla. Donc là, vous allez voir, enfin bref, on s'en fout. Si vous n'avez pas pris de liquide, c'est rien, vous recommencez. Vous allez voir, vous allez prendre la deuxième fois. C'est possible que la première fois, ça ne marche pas, mais la deuxième fois, ça marchera. Donc vous continuez. Donc là, j'ai débranché le câble, j'ai rebranché le câble et j'ai relancé l'application. Donc on attend que le chargement se fasse. Et regardez, ça me prend même pas une minute. Vous allez faire ça pendant... Toutes les minutes, je vais prendre 8 liquides parce que j'ai une duplication de 8. Donc toutes les minutes, je vais prendre 8 liquides. Si j'arrive à monter à une duplication de 50, c'est toutes les minutes, je ferai 50 liquides. Si je monte à une duplication de 100, toutes les minutes, je ferai 100 liquides. Donc là, on se connecte. Connexion de service en ligne. On maintient son câble sur le câble. Je vais y arriver. On prend le câble Ethernet de sa deuxième main. On se connecte. On attend qu'on se connecte, on va dans le mode zombie, on débranche. Voilà, je suis à 76 pour le français, désolé. Donc là, on ferme l'application, hop, on rebranche le câble. Vous allez voir, je vais faire ça 3-4 fois, vous allez voir, c'est un truc de fou. Donc je suis à 76, c'est ça, hein, ouais, 76. Vous allez voir, là, je vais passer à 84. Et vous voyez bien que c'est toutes les minutes, on va pas couper la vidéo, je vais essayer de vous parler tout le temps, comme ça. Enfin, attention, je vais mettre la vidéo en accéléré si jamais je laisse un blanc. Mais voilà, vous allez voir que. C'est super facile. Le farm, là ça s'appelle du farm. Là je suis en train de farmer par minute, hein, les potos. Farm du 8 liquides par minute, c'est un truc de fou, les potos. C'est pour ça que je vous dis de ne pas le partager. Gardez-le pour vous, faites un maximum de liquides, faites-vous 10 000 liquides. Et puis comme ça vous êtes tranquille. Après, Treyarch, nous ce qu'on attend c'est que Treyarch il arrête de faire ses mises à jour de merde et qu'il arrête de patcher tout. Donc eh bien, je pense qu'il va faire une dernière mise à jour et puis après il arrêtera de patcher. Donc voilà, là il y a un message qui est là. Donc on se connecte.
on prend notre... Toujours avoir son câble, sa main sur le câble Ethernet, toujours au cas où il arriverait une couille. Donc là, même si vous arrivez dans boutique, vous avez le temps de faire rond et X tant que vous n'êtes pas rentré dans le mode zombie, c'est bon. Donc voilà, là je suis à 94, hop, on débranche le câble, on ferme la pile. Donc directement, dès que vous voyez le zombie, dès que vous voyez vos liquides, vous débranchez votre câble Ethernet et vous relancez l'application. Tout le temps faire ça. Donc vous voyez bien que je prends des liquides, je suis pas un mytho. C'est un truc de fou. Alors il y a des gens qui m'ont dit ouais sur Reality Gaming ils ont dit l'astuce nanana. Gros non il y a rien sur Reality Gaming, j'ai été voir. La seule astuce qui dit c'est débrancher le câble et vous faire un liquide par un liquide. Ils connaissent pas la duplication. Le glitch là que je vous parle, c'est un glitch de merde. Nous là le glitch que je vous montre, ça c'est un glitch de ouf parce que c'est vous qui choisissez le nombre de liquides que vous voulez dupliquer, farmer par minute. C'est un truc de fou. Après, il y a du travail à faire. Faut faire la préparation. Donc la duplication, c'est le plus chiant, c'est le plus relou et c'est le plus dur à faire. Mais dès que vous avez fini la duplication et que vous êtes arrivé à votre objectif, et ben alors là, vous n'avez plus qu'à farm. Et farm, c'est comme je fais. Voilà, connexion au service en ligne. Hop, vérification des fichiers. Je maintiens mon câble Ethernet. J'attends que j'arrive sur le mode zombie. Donc dès que je suis connecté, j'appuie sur X. Spammez pas trop vite X parce que sinon vous allez tomber dans la boutique. Là j'ai 92 liquides, je débranche le câble, je ferme l'application et hop je recommence une dernière fois pour vous montrer que j'arrive à 2000 liquides, à 0,0 quoi, à 100 quoi, on va dire. Voilà, c'est la dernière fois. Vous voyez bien que c'est super simple et je peux pas vraiment file sur cette étape. Le farm c'est vraiment facile, c'est juste la duplication qu'il faut vraiment être super super rapide. Donc voilà, je suis vraiment désolé d'avoir parlé très rapidement, mais j'ai pas le choix parce que c'est un glitch qu'il faut être rapide. Donc forcément, comme il faut être super rapide, ben moi je parle super rapidement. Donc voilà, désolé pour ça. De toute façon, je mettrai un lien vers le site internet où moi j'ai appris à faire ce glitch. Donc il m'a fallu 3 essais pour comprendre et bien comprendre le truc et bien le faire. Donc je vais vous mettre le lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir, c'est écrit étape par étape. Donc connexion de service en ligne, ok. Donc là, j'attends que je me connecte. Dès que je suis dans mode zombie, je regarde mes liquides. J'ai même pas besoin de regarder parce que je sais que ça se fait. Ça s'est fait, voilà. Et je suis à 4000 piles, les potos. 4000 piles, 4000. Je suis à 4000, les mecs. Donc voilà. Voilà, là vous savez tout, je vous ai tout dit. Donc s'il vous plaît, si vous voyez cette vidéo, la partagez pas, partagez-la à ceux que vous connaissez, vos potes. Tant que je ne l'ai pas publié en ligne, c'est un lien que je vais vous en donner. Donc je vais vous envoyer le lien de cette vidéo à une communauté très restreinte pour qu'il y ait le moins possible de personnes qui le savent et surtout pas des youtubeurs, parce que si un youtubeur sait ça, il va le publier. Même moi j'ai voulu le publier, mais c'est pas mon glitch, donc je peux pas le partager sans avoir de problème avec les autres glitchers. Voilà, donc moi j'attends un peu le feu vert de ZRK, comme ça bah, je publie la vidéo, puis après vous faites pareil. Mais vaut mieux attendre que les patchs soient définitivement finis. Donc voilà, alors n'oubliez pas que je vais mettre un lien dans la description. Je sais pas qui est l'auteur de ce glitch. Je ne sais pas si c'est un français, je ne sais pas si c'est un américain. Je ne sais pas du tout d'où vient ce glitch, de quelle personne a inventé la duplication. Mais en tous les cas, si tu vois cette vidéo, mon pote, je te remercie. Et n'hésite pas à dire dans les commentaires que c'est toi l'auteur. Et je te mettrai directement en description dans cette vidéo comme source principale. Alors je tiens à faire un gros 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 big up à ma femme parce qu'elle m'a filmé et tout. Et ça m'a... Je suis sûr qu'elle doit avoir une crampe au bras, MDR. Mais bon voilà, je t'aime mon amour, franchement je t'aime. Et franchement, s'il vous plaît, cette vidéo va passer en mode public. Donc quand elle sera en mode public, défoncez-moi cette barre de like et partagez un maximum pour que tout le monde puisse en profiter un maximum. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Et surtout, partagez. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Mes potos, j'espère que ce tuto aura été complet. Donc, si ce n'est pas le cas, ben, je vous aiderai dans les commentaires. Mais je pense que j'ai bien. N'hésitez pas à aller voir le site, le lien du site internet que je vais vous envoyer avec tout ce qui sera marqué étape par étape. Donc voilà, merci à tous de votre soutien. Je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Allez, ciao. Peace.